Putain, tu vas. Et alors, mes champignons marchent, hein? Des champignons, regarde. Oh, ma caniche. Eh bien, celui-là, tu sais que tu l'as bien présenté, là. Il se voit bien, hein. Ah, correct. Ma caniche, c'est bien, ça, hein. Oh, tiens, eh bien, écoute, je vais m'asseoir parce que... Je vais vous faire voir. Vous avez vu le pont, le reportage du pont. Eh bien, maintenant, je vais vous amener au lac de la Raviège. Alors, Anthony, comment tu vas? Salut, ça, ça va? Impeccable. Alors, qu'est-ce c'est que tu nous présentes là maintenant? Alors là, je vous présente un de mes bateaux électriques. Ah. Parce que moi, je suis sur la base des Boulduires, je propose des bateaux électriques. Donc, ce sont des petits bateaux sans permis, accessibles à tout le monde. Donc, ça ne fait pas de bruit, il n'y a pas d'odeur d'essence. Pour l'utilisateur, c'est très facile à utiliser. Pour nous, c'est un entretien super facile aussi parce qu'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'essence, pas de bruit. Voilà, ça permet de profiter du lac en toute quiétude avec 7 heures d'autonomie quand même, donc on peut partir à la journée sur l'eau. Voilà, donc c'est des bateaux, ce sont des bateaux électriques qui sont tous équipés d'un petit moteur et ça permet de naviguer une journée complète. Et alors moi qui suis un peu couillon, tu pourrais me faire voir comment ça marche pour que je puisse essayer de faire le tour du lac? Allez, prends ma place. Oh putain, mais c'est super ça, hein. Oh là là. Et alors, j'ai jamais connu de bateau de ma vie, mais regardez, t'es, alors je t'explique. Je suis au volant. Tu as cette petite clé qui te sert de coupe-circuit et de clé magnétique. D'accord. Il suffit de la poser ici, oui. Ça ne fait pas de bruit, le contact y est. Ici, tu as une petite manette de gaz, comme sur un bateau classique, avec le point mort au milieu. Plus tu vas pousser vers toi sur l'arrière, plus tu accélères vers l'arrière, sans bruit. Hop, le petit cran du milieu, tu as le point mort, et vers l'avant, pour la marche avant. Ah, oh, mais ça alors c'est super. Comme une et voiture. Sans bruit, hein. Mais vous vous rendez compte, on entend même les hirondelles et les truites qui mouchent sur le lac là. Vous les entendez les truites là? Vous l'avez entendu la truite là? Non? Eh bien t'es là-bas. Oh là là, ça c'est beau ça. Allez, tenez-vous, hein, on n'est pas droit devant. Olivier, qu'est-ce que tu fais à la Salvetta? Eh bien, moi je m'occupe de l'école de voile du lac de la Raviège. Donc ici on propose à la fois des cours de voile la semaine et puis également des locations. Donc on a du kayak, du paddle et on propose voilà, de l'activité voile et kayak aux jeunes et moins jeunes touristes ou locaux de la Salvetta et des environs. Ah, mais ça c'est bien, ça c'est une bonne chose ça pour la Salvetta.